Chers téléspectateurs, amis, frères dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous disons un grand merci au Seigneur pour sa grâce, sa bonté et sa miséricorde en notre faveur. Et parce que c'est grâce à lui que nous avons la respiration et c'est grâce à lui que cet oxygène puisse être favorable et nous glorifions son nom pour cela. Et je suis dans la joie et de vous retrouver sur ce plateau de Cast TV à l'heure de notre émission 100% évangélique, votre émission, l'émission que vous aimez et que vous donnez vos temps, la plupart d'entre vous. Et c'est ce qui fait que nous présentons cette émission à chaque fois avec beaucoup de joie. Et non seulement le fait que vous êtes en face de nous pour regarder cette émission, mais aussi, je dirais, la première joie, c'est la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous a accordée. Et c'est ce qui nous a réjouis de pouvoir vraiment partager cette parole avec vous et de vous dire la vérité et rien que la vérité. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de vous lorsque nous étudions ou lorsque nous partageons la parole de la vérité ensemble. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre conseil, de votre suggestion, et nous avons besoin que vous examiniez la parole pour que vous puissiez voir par vous-même ce que nous disons. Est-ce que c'est selon la parole? Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est le mensonge? Donc, l'essentiel, c'est d'examiner, l'essentiel, c'est d'avoir une Bible pour comprendre et examiner la parole de la vérité. Et nous sommes vraiment réjouis de vous retrouver sur ce plateau de Cast TV. Comme vous le savez, nous avions un sujet à traiter. Donc, c'était la droite et le bras de l'Éternel ou la droite de Dieu. Nous avons pu traiter ce sujet. Il nous avait resté seulement un petit détail sur le thème de droite de bras de l'Éternel et le sujet que j'avais annoncé. C'était la voix magnifique qui se faisait entendre. Donc, l'objectif de cet enseignement, c'est de découvrir, comme je vous l'avais dit, quelle était cette voix qui parlait. Beaucoup de gens disent c'est la voix du Père. Mais est-ce que dans le texte, il est mentionné que c'est la voix que cette voix est attribuée à quelqu'un spécialement dans le texte? Parce qu'on peut dire que c'est la voix du Père, mais est-ce que le texte a dit que c'est la voix du Père qui parlait? Donc, nous allons comprendre cela en étudiant la parole ensemble. Donc, avant de rentrer dans ce sujet, chers téléspectateurs, nous allons d'abord conclure avec le thème de droite et bras de l'Éternel. Donc, je vous avais dit que l'Éternel, il a construit, il a fondé, il a posé le fondement de la terre par sa droite et par son bras puissant. Je vous avais montré ce texte, je crois que c'est Ésaïe 62, le verset 8. Donc, nous avons constaté ce verset, qu'il avait fondé la terre par sa droite, par son bras puissant. Et ce qu'il nous restait vraiment à examiner ensemble, c'était de voir plutôt, non seulement il a fondé la terre sur Ésaïe 62, le verset 8, par sa droite et par son bras puissant, mais nous avons un petit détail que nous devons examiner ensemble, chers téléspectateurs. Et ce petit détail, c'est que nous devons voir quoi? Eh bien, non seulement il a fondé la terre par sa droite, par son bras puissant, mais il a aussi juré par sa droite. Donc, nous avons étudié que la droite de l'Éternel était Jésus-Christ lui-même. Donc, nous avions dit que le bras, la droite de l'Éternel, c'est un seul et même thème. Donc, le bras de l'Éternel, la droite de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. On est clair. Donc, je vous avais montré que la terre a été fondée, la création a été faite par le bras
la droite de l'Éternel. Maintenant, ce que nous allons voir pour conclure à ce chapitre de bras et droite, donc ce que nous allons voir, c'est que nous allons voir que non seulement il a fondé la terre par sa droite, par son bras puissant, mais il a aussi juré par sa droite. Donc, nous allons découvrir dans toutes ses profondeurs que l'Éternel non seulement a fondé la terre par sa droite, il a aussi juré par sa droite. Donc, par là, nous allons comprendre que la droite de l'Éternel, Jésus-Christ est à la droite de Dieu, donc il parle de lui-même. Donc quand il jure par sa droite, nous allons voir que la Bible va nous dire que quand il a juré par sa droite, c'est par lui-même qu'il a juré. Parce qu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Donc le plus grand que lui, c'est sa droite. Le plus grand que le Dieu Tout-Puissant, c'est sa majesté, c'est sa puissance, c'est lui-même. Parce que le plus haut que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est personne d'autre. Donc, nous allons constater ensemble qu'il a juré par sa droite. Hein, il a juré par sa droite, il a juré par lui-même. Donc, pour voir exactement, il ne peut jurer par sa droite, qui est Jésus-Christ, qui n'est pas lui-même, puisqu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand, de plus haut que lui. N'oubliez pas, quand vous faites un serment, vous jurez par un supérieur. Pour montrer la sévérité ou bien pour montrer la sincérité qu'il y a dans ce serment ou bien dans ce que vous dites. Donc, vous jurez par un supérieur. Donc, si Dieu, le Créateur, a juré par sa droite, donc, peut-on dire que sa droite est plus grande que lui? Non, sa droite est lui-même. Donc, il a juré par sa droite qui est Jésus-Christ, donc il a juré par lui-même. Donc, Jésus-Christ est lui-même. Donc, depuis un bon bout de temps, on est sur ce sujet pour montrer que Jésus-Christ était le seul vrai Dieu. Donc, on a pu prouver en divers termes que Jésus-Christ est lui le vrai Dieu. On a étudié le bras, la droite. Donc, on a découvert que exactement Jésus-Christ est la droite de Dieu. Donc, avant de conclure, pour la droite et le bras de Dieu, pour rentrer dans le sujet de la voix magnifique, donc, nous allons entrer dans la prière, invoquer le nom de Jésus-Christ ensemble, et puis ensuite nous allons conclure le sujet que nous étions en train de traiter dimanche dernier pour conclure et entrer dans l'autre sujet que nous avons en cours. Donc nous allons prier ensemble et je vous demande, et par la compassion de Dieu, à unir vos cœurs avec moi pour que nous puissions invoquer le nom puissant, le nom saint, le seul nom qui fut donné sous le ciel et par lequel nous pouvons être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Nous allons prier ensemble le seul vrai Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous savons, Seigneur, tout au fond de nous, que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de t'avoir pour maître, de t'avoir pour sauveur, de t'avoir pour Dieu. Et quand nous pensons, Seigneur, que tu es le grand Dieu d'Israël, le grand Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, nous sommes vraiment indignes, Seigneur, d'avoir le privilège de nous prosterner devant ton trône. Nous sommes vraiment indignes, Seigneur, d'avoir la possibilité, la grâce, Seigneur, de parler avec toi, la grâce d'exprimer nos sentiments, la grâce, Seigneur, de porter des plaintes, Seigneur, à tes pieds, la grâce de nous prosterner, de nous courber devant ton trône, Seigneur. Nous sommes vraiment indignes. Et Seigneur, si c'est vraiment toi, si nous avons cru vraiment que tu es le seul vrai Dieu et que c'est toi qui nous as donné la vie, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas parler de toi? Pourquoi ne pas marcher dans la justice? Pourquoi ne pas marcher dans la vérité, dans la sainteté? Pourquoi ne pas marcher dans la parole? Seigneur, pourquoi? Père, nous te demandons, au nom de Jésus, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de marcher, de vivre pour toi dans la vérité. Car ta parole a dit, oh, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ta parole aussi a dit, Seigneur, oh, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ta parole a dit, Seigneur, hein, que méditez le livre de la loi selon Josué, Seigneur, le chapitre 1, le verset 8. Que celui de la loi ne se loigne pas de ta bouche, mais méditez les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Seigneur, nous avons besoin de méditer jour et nuit
pour que nous puissions agir fidèlement, pour que nous puissions nous accorder à ta parole, à ta volonté, car ta volonté, c'est la vie. Ta volonté, c'est notre respiration. Ta volonté, Seigneur, c'est notre joie, notre paix. Ta volonté, Seigneur, de sanctification, notre sainteté. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous en avons besoin. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons bien haut. Merci pour nos téléspectateurs, merci pour nos téléspectatrices, merci pour notre technicien, merci pour les frères, merci pour les sœurs, merci pour ton amour ineffable. Merci Seigneur parce que tu as été merveilleux, tu l'es toujours et tu le seras toujours dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu es notre bon berger, le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Et Seigneur, nous avons vu que tu es vraiment le vrai berger, le vrai et le seul vrai berger, Seigneur. Parce que ta vie, tu l'as donnée pour tes brebis. Merci Seigneur. Merci pour nos frères. Bénis ce moment, Seigneur. Fais à ce que, Seigneur, ce moment soit un moment inoubliable dans le cœur de nos téléspectateurs, dans le cœur de nos téléspectatrices. Fais à ce que, Seigneur, ce moment puisse être un moment, oh Seigneur, qui va aider à nos téléspectateurs, qui va donner à nos téléspectateurs la capacité, Seigneur, de réfléchir, la capacité de penser, de méditer sur ta parole et de retourner au fondement des apôtres, de retourner à la source de la parole, de retourner aux bonnes œuvres, de retourner à l'évangélisation, de retourner, Seigneur, dans la sainteté, dans la sanctification. Père, nous te demandons cela. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Je ne suis pas digne de te prier. Je ne suis pas digne, Seigneur, de même me présenter devant ton trône. Car, Seigneur, tu es venu pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Et le premier, le pire des pécheurs, Seigneur. Oh, je te demande grâce. Je te demande, Seigneur, grâce. Je te demande ta faveur, afin que, Seigneur, ta faveur, ta grâce puisse me combler, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse être agréable et avoir la capacité, Seigneur, la capacité d'examiner chaque jour ce qui est agréable à toi et de condamner les œuvres infructueuses et ténèbres et de ne pas prendre part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. On préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine près sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des actions coupables, à des choses mauvaises, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin, Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, bénis les oreilles qui écoutent, Seigneur, bénis le cœur qui reçoivent, Seigneur, cette parole, qui vont recevoir cette parole, et Seigneur, permet à ce que ces cœurs soient attentifs à ta parole, afin que, Seigneur, la lumière, la vérité, Seigneur, cette vérité qui a franchi puisse affranchir tous ces cœurs qui vont recevoir et qui sont en train de recevoir cette parole de vérité dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul, soit et sera toujours la gloire. Amen. Au siècle des siècles. Amen et amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers téléspectateurs, encore une fois, je vous salue par un saint baiser, d'affection, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous l'adorons, nous l'exaltons parce qu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il est vraiment Dieu. C'est dans sa manière de vivre dans notre vie, sa manière de régner. Il a régné en roi, en sauveur, en rédempteur dans notre vie. Donc il nous a montré l'importance de le servir, l'importance de nous attacher à lui seul, l'importance de compter sur lui seul, l'importance d'espérer en lui et en lui seul, l'importance de nous confier à lui et à lui seul, l'importance de parler de lui et de lui seul, parce qu'il est le vrai Dieu. Parce qu'il est celui à propos duquel que nous devons parler. Il est celui qui doit être le sujet de toutes nos conversations. Il est celui qui doit être le centre de notre vie. Comme dit l'apôtre dans Philippiens 4, 8, il dit, au reste frère, que tu sois tout ce qui est vrai, juste, aimable, pur, honorable, vertueux, digne de louange, mérite de l'approbation, soit l'objet de nos pensées.
Donc, pourquoi l'objet de nos pensées doit baser sur tout ce qui est vrai, juste, aimable, honorable, digne de l'orange, mérite de l'approbation, vertueux? C'est parce que dès que l'objet de nos pensées soit basé sur ces choses, ces fruits spirituels, donc l'Esprit du Seigneur va être dans la possibilité, va avoir tout l'accès dans notre vie d'exercer son pouvoir, d'exercer la royauté du Seigneur, d'exercer la sainteté du Seigneur, d'exercer la parole, les œuvres du Seigneur, le sentiment du Seigneur, la pensée du Seigneur. Donc nous avons besoin de nous attacher à lui. Lui, il n'y a personne d'autre, chers téléspectateurs. Lui. Vous pouvez voir sur les étiquettes des albums, des CD, vous voyez un homme, mais c'est lui. Il n'est jamais passé à la télé, jamais à la radio, hein, dans les journaux. On ne l'a jamais vu. Mais pourtant, il est la star des stars. Il est le premier et le dernier. Donc, c'est lui, lui seul. Et c'est lui que je veux entendre. Et je sais que c'est lui que vous voulez entendre aussi. Donc, personne d'autre. Parce qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes, sous ce ciel, par lequel nous devions être sauvés. Je ne sais pas, vous qui ne l'avez pas encore accepté, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous devez répondre à votre appel. Si vous êtes appelé, si vous sentez au fond de vous cet appel de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Berger, alors venez à lui. Parce qu'il va vous, combler. Il va vous affranchir. Il va enlever tout ce qui est contraire dans votre vie pour vous mettre à la hauteur de sa puissance et de sa grandeur, de sa volonté, afin que vous puissiez marcher comme lui, il a marché. Parce qu'il a dit dans sa parole, comme moi je suis saint, donc vous soyez saints dans toute votre conduite. Donc nous avons besoin de nous combattre, de combattre ceux qui sont à l'extérieur, qui sont à côté, mais de combattre ceux qui sont en nous. Il y a des choses en nous que nous devons combattre pour arriver à plaire au Seigneur, le seul Seigneur, le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et soyez bénis en son nom, le seul vrai nom, le seul nom puissant. Soyez bénis et bienvenue dans 100% évangélique. Nous allons conclure pour que nous puissions entrer dans l'autre sujet correctement au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais vous demander, je vous avais dit que ce que nous allons prendre pour conclure le sujet, c'était de consulter les versets où l'Éternel a juré par sa droite, par lui-même. Et pour conclure, nous allons voir qu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Donc, quand il a juré par sa droite, donc, c'est lui-même. Par son bras puissant, donc, c'est lui-même. Parce que sa droite, c'est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est lui-même. Et vous allez comprendre ça, et vous allez vraiment être dans la joie par rapport à la grâce du Seigneur, la grâce de sa parole. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles, vous qui me regardez, ouvrez vos Bibles, nous allons consulter la parole ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, alors, c'est où on va ouvrir la Bible pour entamer ce sujet qui est basé sur l'intégralité de la divinité ou de la personne de Jésus-Christ. Donc, nous allons débuter et il y a une chose que je veux vous rappeler toujours à chaque fois que nous commençons ce sujet, à chaque émission. Donc, n'oubliez jamais que notre point de départ était Matthieu 28, 19. L'objectif de notre départ, de notre sujet de Matthieu 28, 19, c'était de trouver le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Donc,
Nous avons pu prouver tout cela au cours de nos émissions sur ce sujet. Donc, maintenant, nous avons pris d'autres choses qui peuvent vous aider à être confortable dans cette compréhension, dans cette révélation de la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la droite, nous parlons du bras. Maintenant, nous allons parler de le fait de jurer par lui-même. Donc, pour vous permettre d'être largement dans cette compréhension sans limite de la révélation de ce chapitre Matthieu 28, 19 et de ce verset, pour comprendre la révélation qui est cachée à l'intérieur de ce paquet emballé. Donc, nous allons vraiment examiner tout cela. Tout de suite après, nous rentrons dans la voix magnifique que les gens entendent, qui disent, mais c'est la voix du Père qui parle. Mais on va consulter, est-ce que la Bible a dit c'est la voix du Père? Donc nous allons consulter cela ensemble. Donc, alors maintenant, on va conclure sur le bras et la droite avant d'entrer dans l'autre sujet. Donc, nous allons prendre ce premier verset de Genèse 22, 16. Nous allons examiner ensemble Genèse 22, le verset 16. Nous allons examiner ensemble et lire Genèse 22, 16 pour voir le fait que l'Éternel a juré par lui-même ou diverses manières. Donc, c'est ce premier texte que nous allons consulter ensemble. Donc, dans Genèse 22, le verset 16, alors le verset 15 d'abord, alors 14, on lit en partie de 14 parce qu'il y a une parenthèse que je veux ouvrir. Alors le verset 14, Genèse 22, 14, il faut garder ce verset très fort. Donc, il dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Donc, la parenthèse était que le nom de Jéhovah était le nom d'un lieu. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, le nom d'un lieu dans votre Bible, si vous avez la même Bible que moi. Et c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc quand on dit Jéhovah Jireh, donc c'est-à-dire que Dieu pourvoira. C'était la parenthèse. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Alors regardez bien. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. N'oubliez pas, Isaac est un type de Jésus. Spirituellement parlant, c'est une figure symbolique de Jésus-Christ. Le fait qu'il allait se présenter comme l'agneau qui devait immoler, l'agneau qui devait donner son sang. Donc, c'est une figure symbolique. Le verset 17 dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, donc en Jésus, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc il l'a juré, je le jure pas moi-même, le premier texte. Donc nous allons consulter un second texte, nous allons consulter. Le second texte, c'est le psaume 105, le verset 9. Psaume 105, le verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle,
10 ans, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est déchu. Donc, pour que l'Éternel puisse attirer l'attention du peuple ou attirer l'attention d'Abraham sur la décision que le Seigneur avait prise. Donc, le Seigneur assure à ce qu'il a mis dans le cœur d'Abraham ou à ce qu'il permette à Abraham de croire dans ce qu'il a décidé en le déclarant par serment. Et nous allons voir pourquoi le Seigneur, il l'a déclaré par serment. Quand nous allons conclure le sujet dans le dernier texte que nous allons prendre tout à l'heure. Nous avons le psaume 89, le verset 36. Psaume 89, 36. Le psaume 89, le verset 36. Alors, dans le verset 36, le psaume 89, il est dit. J'ai juré une foi par ma sainteté. Donc, n'oubliez pas que je vous avais dit que la sainteté, c'était Jésus-Christ lui-même. Parce qu'on l'appelle le Saint. On l'appelle le Saint. Donc, puisqu'il est le Saint, la sainteté, c'est lui-même. Donc, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Donc, il a juré, non seulement nous venons de voir qu'il a juré par lui-même, selon Genèse 22, 16. Donc, maintenant, dans Psaume 89, le verset 36, il a juré par sa sainteté. Donc, sa sainteté, vous comprenez bien, c'est lui-même sa sainteté. On est clair. Parce qu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Il n'y a pas un plus grand que lui. Nous allons prendre un autre texte. Nous allons prendre Ésaïe 62, le verset 8. Ésaïe 62, le verset 8. Alors, le verset 8 d'Ésaïe 62, il est écrit. L'Éternel l'a juré par sa droite et son bras puissant. Écoutez bien, chers téléspectateurs, parce que je veux que vous compreniez ceci. Je vous ai montré la droite, le bras de l'Éternel était Jésus-Christ lui-même, était sa puissance, était son pouvoir, était son autorité, sa majesté, était sa force. Et je vous ai montré aussi que le bras et la droite sont le Créateur. Donc, puisque Dieu a dit, il a fondé la terre par sa droite et par son bras puissant. Donc, puisque nous savons que Jésus-Christ est lui le bras et la droite de l'Éternel, donc la terre a été fondée par Jésus-Christ. Donc ce sont des textes que nous avons encore, des textes qui prouvent que Jésus-Christ est le Créateur noir sur blanc. Donc dès que vous aurez la possibilité de prouver que Jésus-Christ est le Créateur et le seul vrai Dieu, vous n'aurez pas de problème de prouver des textes et de donner des tas de textes, beaucoup de textes qui prouvent qu'il est le Créateur vraiment. Donc maintenant, avec les gens qui disent Jésus-Christ n'est pas le Créateur, n'est pas Dieu, c'est à eux maintenant de vous répondre et de vous donner quelques explications pour dire est-ce que nous avons deux créateurs? Parce qu'on est clair dans Hébreux 1, 10, il dit encore, toi Seigneur, au commencement tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc donnez-moi les explications, le Seigneur est-il le Créateur? Puisque le texte a déclaré qu'il est le Créateur. Donc si celui-là qui est le Seigneur est le Créateur et qu'il n'est pas le Père. Donc, il est qui? Il est qui? Et combien de créateurs avons-nous? Nous savons que nous avons un seul Créateur. Parce qu'il a été écrit dans Ésaïe 43, le verset 10. Il dit, vous êtes mes témoins. Le texte que les témoins de Jéhovah utilisent pour montrer que Jéhovah les a envoyés. Mais sans pouvoir prouver ce que Jéhovah les a envoyés à faire. Parce que Jéhovah ne vous a pas envoyé. Et peu importe
Admettons qu'on accepte ce verset Isaïe 43, 10. Il vous envoie faire quoi? De maison en maison? Mais c'est Jésus-Christ qui vous nous envoie de maison en maison. Où est l'ordre? Où est-ce que cela est écrit? Donc je vous envoie, c'est moi, vous êtes mes témoins, hein, vous êtes témoins de Jéhovah, donc je vous envoie, voici, aller de maison en maison, baptiser les gens, prier, guérir. Où ça s'est écrit? Ça n'est écrit nulle part. Si Jéhovah vous a envoyé, comment vous pouvez exécuter l'ordre de quelqu'un qui n'est pas lui? C'est impossible. Il faut exécuter l'ordre de celui qui vous a envoyé. Donc Jésus-Christ a été envoyé. Il a exécuté l'ordre de celui qui l'avait envoyé. Mais vous, vous dites que Jéhovah vous a envoyé, mais vous exécutez l'ordre de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas correct. Donc, dans l'Ésaïe 43, le verset 10, il dit, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous compreniez, que vous sachiez, qu'avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et qu'après moi, il n'y en aura point. Et ce n'est pas, il n'y en aura pas, mais c'est point. Peut-on avoir un, enfin, c'est un parenthèse, hein? Peut-on avoir un autre qui s'appelle Jésus-Christ, qui fait toutes les œuvres que le Créateur a accomplies, qui n'est pas le Créateur? Donc, le Créateur est comparable. Oh, il dit, je suis incomparable. Esaïe, il a dit que dans Esaïe 42, le verset 8, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, mon honneur aux idoles. Donc, lui, il n'est pas le Créateur des myriades et des myriades, des milliers de milliers l'adorent, et il n'est pas le Créateur. Donc le Créateur qui a dit que je ne donnerai pas ma gloire à un autre, il a donné sa gloire à un autre. Donc vous faites le Créateur passer pour un menteur. Mais examinez, chers téléspectateurs, examinez bien la parole. Donc nous retournons dans Esaïe 62, le verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite, donc par Jésus-Christ qui est sa droite. Par son bras puissant, par Jésus-Christ qui est son bras puissant. Jésus-Christ est plus grand que lui, s'il a juré par lui. Or, le texte m'a dit, il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Et ce texte, nous allons le lire en dernier, pour conclure. Donc, il a juré par sa droite et par son bras puissant, Esaïe 62, le verset 8, « Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. » Il a juré par sa droite, par son bras puissant. Donc, il a juré par lui-même. Amen. Prenons un autre texte. Prenons Esaïe 45, 23. Esaïe 45, le verset 23. Esaïe 45, le verset 23, il est écrit, « Je le jure par moi-même. » Donc, il ne peut pas jurer par... Si, imaginons, chers téléspectateurs, selon la compréhension des gens qui n'ont pas reçu la révélation de la parole, que ces gens disent que Dieu a juré, puisqu'il ne peut pas jurer, en sachant qu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Donc, il doit jurer par lui-même. Regardez, nous avons lu Psaume 89, le verset 36. Il a juré par sa sainteté. Donc, si sa sainteté n'est pas lui-même, donc il a juré par quelqu'un qui n'est pas lui-même. Impossible. Il a juré par sa droite. Esaïe 62, le verset 8. Et par son bras puissant. Bon, si son bras puissant et sa droite n'est pas lui-même, il a juré par quelqu'un qui n'est pas lui. Donc, ce quelqu'un qui l'a juré qui n'est pas lui est plus grand que lui. Puisqu'il ne peut pas jurer par un plus grand que lui parce qu'il est le plus grand. Parce que le plus grand que le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Hein? C'est sa majesté. C'est sa puissance, c'est son autorité, c'est sa puissance, c'est son honneur, c'est sa force, c'est son pouvoir. C'est lui-même. C'est ce qu'il est qui est plus grand que lui. Donc, c'est lui qui est plus grand que lui. On est clair. Donc, Esaïe 45, 23, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Peu importe, vous le voulez ou pas, vous allez fléchir devant lui. Mais devant lui qui?
Devant lui qui? Devant qui ton genou fléchit? Devant qui? Devant Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Ah! Quand les démons entendent le nom de Jésus-Christ, ils fléchissent leurs genoux parce qu'ils ne peuvent pas résister en face de ce pouvoir, en face de la puissance de ce nom. Le nom de Jésus, le nom qui est le plus élevé. Donc, tout genou fléchit devant lui. Toute langue confessera. Hein? Il l'a juré. Mais Dieu peut-il jurer par lui-même en disant tout genou fléchira devant moi et que les genoux fléchissent devant quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même? Je vais vous montrer cela. Et si vous regardez les témoignages, hein, quand les deux m'entendent le nom de Jésus, ils fléchissent. Satan fléchit. Hein? Le dragon fléchit. Le serpent ancien fléchit. Hein? Le diable fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom puissant, un nom tout-puissant, un nom extraordinaire, un nom indescriptible, un nom incomparable, un nom incompréhensible, redoutable. C'est un nom qui est le nom des noms, le premier de tout. Partout dans le monde, on parle de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il était le star des stars. Donc son nom est partout. Vous ne le regardez pas à la télé, mais son nom est partout. On doit publier son nom partout. Je ne dois pas publier mon nom, mais le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le maître, c'est lui le sauveur. C'est lui qui agit. Donc, on parle de lui, que de lui. Si vous avez quelque d'autre chose de votre vie, gardez ces choses-là pour vous. Mais parlez de Jésus-Christ quand il faut parler de lui. Quand vous êtes en position de parler de lui. Gardez les autres choses. Parce que les gens ont besoin d'entendre de parler de ce nom. Parce qu'ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de reconnaître, de découvrir la puissance de ce nom. Et c'est vous, en tant que des représentants ou bien des dispensateurs de divers mystères de Dieu, qui devait répandre ce nom partout à travers le monde. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. Isaïe 45, le verset 23, a dit que tout genou devait fléchir devant l'Éternel. Maintenant, on va voir devant qui, vraiment, tout genou doit fléchir. Et c'est pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure, si les genoux doivent fléchir devant quelqu'un d'autre qui n'est pas l'Éternel, donc peut-il être l'Éternel lui-même ou quelqu'un d'autre? Donc, on ne peut pas dire c'est quelqu'un d'autre, parce que les genoux ne peuvent pas fléchir devant quelqu'un d'autre, qui est le Dieu Tout-Puissant seulement. Donc, regardons, c'est une parenthèse, Philippiens. Regardons Philippiens, dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. À partir de verset 5. Philippiens 2, à partir de verset 5. Donc, le verset 5, Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Beaucoup de gens traduisent ce verset mal. Ils prennent ce verset pour traduire et pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais pourtant, s'ils continuent à lire, ils vont comprendre très bien. Parce que si vous lisez mal, vous comprendrez mal. Si vous lisez bien, vous comprendrez bien. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez pour la première fois, lisez plusieurs fois, afin que vous puissiez comprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre, laissez le texte, laissez la Bible ouverte, et allez-y, prosternez-vous devant le roi, devant son trône, et demandez-lui la compréhension de ce texte. Et après, retournez dans le texte et relisez, et vous allez comprendre. Parce que c'est lui le maître. C'est lui seul qui peut vous aider à comprendre.
Et c'est la Bible qui explique la Bible. Il ne faut jamais oublier cette formule. On vous demande l'explication d'un verset, c'est la Bible qui doit donner l'explication. Vous ne faites que lire pour la personne. Mais c'est la Bible qui explique. Donc, lisez bien, chers téléspectateurs. Donc, le texte a dit, lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, quand il était venu, se vantait-il en disant que je suis Dieu, le créateur du ciel et de la terre, regardez comment vous me frappez, hein, vous êtes malade, hein, vous ne respectez pas le grand bon Dieu, le grand Dieu. Donc, je vais vous exterminer. Quand il était sur la croix, il disait quoi? Luc 23, 34. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne s'est pas regardé comme Dieu. Parce qu'il pouvait faire. Il pouvait seulement une simple réaction. Et vous êtes mort. Même un regard, un coup d'œil. Vous êtes mort. Parce que le Seigneur pouvait même faire. Peu importe la manière qu'il bouge, vous pouvez. Tout le monde. Vous êtes mort. Mais il n'a rien fait. Parce qu'il voulait nous donner l'exemple. L'exemple le plus parfait quand il s'agit de pardonner. Parce qu'il n'est pas celui qui se présente, qui se met en tant que le chef, qui vous met devant. Lui, il ne fait rien, mais il vous demande de faire. Lui, il n'exécute rien, mais il vous demande d'exécuter. Jésus-Christ, il vous demande de mourir pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est le premier à être mort. Il vous demande de pardonner. Il est le premier à pardonner. Et c'est l'exemple le plus parfait du pardon. Il vous demande d'appliquer la loi. Il est celui qui applique la loi en premier. Parce qu'il a été présenté au top et il a fini avec tout cela. Il vous demande d'être baptisé. Il est celui qui se faisait baptiser avant. Donc, il se faisait baptiser avant de vous avoir demandé d'être baptisé. Peu importe, vous voyez des religions qui disent, vous ne devez pas être baptisé. Non, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ce sont des religions qui ne sont pas basées sur Christ. Ils se sont basés sur des rudiments du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle ces gens, ils travaillent en vain. Ils ont la possibilité de retourner à la source de la parole et de suivre le maître. Parce que ces gens disent, maître, vous pouvez passer dans la barrière, oui, nous allons passer à côté. Mais non, vous devez passer dans la barrière. Parce que le maître, l'exemple, il est passé par la barrière. Vous êtes passé où? Vous escaladez, vous grimpez la barrière. Donc pour cela, vous allez être jeté d'ailleurs parce que vous devez passer par la barrière. Car le maître nous a donné l'exemple, il nous a montré comment nous devons rentrer dans la bergerie. Donc si vous êtes passé à côté, vous allez être jeté dehors. Donc Jésus-Christ s'est baptisé, vous devez être baptisé. Amen. Donc, il était Dieu. Tout ce qu'il nous a demandé, il les a fait. Il nous a demandé de souffrir pour lui. Il a souffert avant. Il nous a demandé de supporter les faibles. Si quelqu'un vous vole votre tunique, donne-lui le manteau. Il le fait en premier, lui. Il le fait en premier. Donc, il est l'exemple le plus parfait. Le plus parfait, le Seigneur de tous. Et c'est pourquoi nous devons le suivre. Mais il pouvait se présenter en tant que Dieu. Mais la manière qu'il a dévoilé sa personne ne peut pas être révélée à n'importe qui. Parce que vous devez avoir la révélation de la parole. Sans cette révélation, vous ne pouvez pas comprendre. Et sinon, vous allez commencer à lire. Déjà, si vous lisez et Apocalypse 5, vous allez avoir votre tête qui va faire boum, ça s'éclate. Parce que vous n'allez pas comprendre. Quand vous lisez Apocalypse 4,
pour comprendre le trône, vous allez être dans la confusion totale. Vous allez comprendre comment. Et c'est la Bible qui peut vous aider à comprendre la parole. Donc, il ne s'est pas regardé comme Dieu, mais et comme égal à Dieu. Oui, il ne s'est pas... lequel existe en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu. Donc, c'est ce qu'il a fait pour de vrai. Bien qu'il était Dieu. Et il est toujours Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oui, il est le serviteur. Parce qu'il disait aux disciples, dans Jean 13, 14, il dit, c'est moi qui suis le maître. Vous m'appelez maître et seigneur, je le suis. Mais c'est moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds. Vous, vous devez faire comme je vous ai fait. Vous lavez les uns, les autres, les pieds. Bien que beaucoup de gens ne le font pas. Parce qu'ils ont choisi ce qu'ils doivent appliquer ou ce qu'ils ne doivent pas appliquer. Donc nous, nous n'avons pas ce mandat-là. Nous avons le mandat d'appliquer tout ce que le Seigneur a demandé que nous appliquons. Donc, dans le verset 7, Philippiens 2, hein, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, oui, certainement, et ayant paru comme un simple homme, oui, certainement, je confirme, et vous confirmez aussi, il s'est humilié lui-même, oui, certainement. Donc, il ne se présentait pas comme Dieu, parce qu'il s'est humilié. Hein? Un roi qui s'humilie devant le peuple. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ah, quant à la chair, bien entendu, jusqu'à la mort, quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il vit parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, quant à l'esprit, il vit parce qu'il est Dieu. Et même jusqu'à la mort de la croix, quant à la chair. Quant à l'esprit, il vit parce qu'il est Dieu. Le verset 10. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Bon, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, qui est souverainement élevé? N'est-ce pas l'Éternel? Bon, peut-il y avoir deux qui est souverainement élevé? Donc, si je comprends bien, l'Éternel a déclaré que quelqu'un est égal à lui. Or, n'oubliez pas, Isaïe 42:8, je ne donne pas ma gloire à un autre, je ne donne pas mon honneur aux idoles. Et je suis incomparable. Il n'y a point d'autre comme moi. Je suis le seul Dieu qui existe. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, si un autre est souverainement élevé comme l'Éternel, et que celui-là qui est souverainement élevé comme l'Éternel n'est pas l'Éternel, alors là, il y a un problème. Donc, le Dieu Tout-Puissant serait idolâtre. Hein? Aurait-il un autre Dieu par lequel il jure, par lequel il honore, il glorifie? Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 17, le verset 2, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Donc, glorifier veut dire donner gloire. Donc, il a déclaré, Père, donne-moi gloire. Donc, le Créateur peut-il donner gloire à quelqu'un qui n'est pas le Créateur, qui n'est pas lui-même? Donc, le texte m'a dit qu'il ne peut pas jouer par quelqu'un, quelqu'un qui est plus grand que lui, puisqu'il n'y a pas un plus grand que lui. Donc, il a reçu, et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, même au-dessus du nom de l'Éternel. Hein? Il a reçu le nom. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez bien, hein? Au-dessus de tout nom. Même au-dessus du nom de l'Éternel. Même au-dessus du nom de Yahvé ou Yahweh. Même au-dessus du nom de Jéhovah, ou peu importe ce qu'on appelle Elohim, El Shaddai, Adonai. Au-dessus de tous ces noms. Et nous comprenons bien la raison de Acte 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Même le nom de l'Éternel ne peut pas sauver. Le nom de Yahweh ne peut pas sauver. Le nom de Jéhovah ne peut pas sauver. Jamais. Mais un seul nom peut sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Donc, le verset 10. Après lui avoir donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le verset 10 nous a dit, Philippiens 2, le verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. » Alors, écoutez bien, oui, « tout genou, tout genou. » Donc, vous comprenez, il y a un déterminant indéfini. « Tout genou dans les cieux. » Voilà la raison pour laquelle, chers téléspectateurs, quand vous voyez dans l'Apocalypse 5, les des milliers se prosternent devant Jésus-Christ sur le trône, devant l'agneau. Voilà la raison. Parce que la Bible a dit, afin que tout genou fléchisse dans les cieux. Donc, même l'Éternel, si l'Éternel n'est pas Jésus-Christ, l'Éternel va fléchir devant Jésus-Christ, devant le nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous n'avez qu'à prouver le contraire. Même l'Éternel, ou je dirais, si je voulais emprunter ce nom, même Jéhovah doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Dans les cieux. Là, on est dans les cieux. Donc, dans les cieux, tous genoux. Donc, tous ceux qui ont des genoux doivent fléchir. Devant qui? Devant le nom de Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant, il est qui? Chers téléspectateurs, il est qui? Qui il est? Quelle est sa nationalité? S'il n'est pas le Créateur. Donc, si on monte aux cieux, on voyait les anges, les 24 vieilles, déjà les 24 vieilles se prosternent. Déjà, les quatre êtres vivants se prosternent. Déjà, des myriades et des myriades, des milliers et des milliers se prosternent. Donc, il est qui? Ésaïe 42, 8. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon œuvre, mon honneur aux idoles. Donc, si tous les cieux se prosternent devant le nom de Jésus-Christ, donc il est le Créateur. Celui à qui les louanges, les honneurs, les adorations, les gloires sont dues. Amen. Donc, nous étions dans les cieux. Maintenant, revenons sur terre. Non seulement dans les cieux, les genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus-Christ, mais sur la terre, ils doivent fléchir. Mais regardez bien, qui ne fléchisse pas devant Jésus-Christ? Nebuchadnezzar fléchit. Darius fléchit. Pharaon fléchit en disant, annoncer dans tout le royaume qu'il y a un seul Dieu. C'est le Dieu de Daniel. Hein? On adore le Dieu de Daniel parce que c'est lui le vrai Dieu. On fléchit devant lui. Hein? Shadrach, Meshach et Abednego, hein? Ils ne fléchissent pas devant un idole. Une idole. Donc parce qu'ils savaient qu'ils devaient se fléchir devant le Dieu Tout-Puissant seul. Donc après qu'ils ont été condamnés, mais le Seigneur a intervenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a opéré un miracle et a permis que le roi demande à ce qu'on fléchisse devant le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Seulement devant ce Dieu-là. Parce que c'est lui le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Donc, tout genou fléchit. Sur la terre. Sur la terre. Regardez en Haïti, tous les vétérans. Les gens qui ne reconnaissaient pas Dieu. Oh, les jours du tremblement de terre. Tous les gens fléchissent les genoux. Tous les gens fléchissent et mettent les mains dans la tête en disant, bon Dieu, sauvez-nous. Ils fléchissent les genoux. Je ne sais pas comment vous allez fléchir, mais vous allez fléchir. Je n'ai pas besoin de savoir comment vous allez le faire. Mais je sais que le Seigneur a dit dans Ésaïe 45, le verset 23, « Je ne le jure pas moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera plus révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera. » Et le jour du tremblement de terre, tout genou fléchit et toute langue confesse en disant « Dieu, sauvez-nous. » Ils reconnaissent Dieu. « Jésus-Christ, sauvez-nous. » Ça, c'est sur la terre. Sur la terre. Donc, on est clair, dans les cieux, je vous prouve qu'ils fléchissent devant Jésus-Christ. Bien entendu, ce n'est pas devant un autre, mais Jésus-Christ seul. Sur la terre, je vous prouve qu'ils fléchissent les genoux.
Maintenant, regardons sous la terre. Sous la terre, c'est-à-dire dans le monde invisible. Le monde qui se trouve en bas. Hein? C'est juste des morts, toutes les positions où le serpent ancien contrôle. Déjà, je vous ai dit, Satan lui-même est le premier à se fléchir le genou. Donc, tous les autres font la même chose. Hein? J'écoutais un témoignage d'un ex-sataniste. Il disait dans son témoignage, hein? Il disait dans son témoignage, quand le serpent ancien entend le nom de Jésus-Christ cité dans son oreille ou dans ses oreilles, il s'est fléchi le genou. Il n'a pas fléchi le genou volontairement, mais puisque le Seigneur agirait, que vous devez fléchir. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, je ne sais pas comment vous allez fléchir, mais je sais que vous devez fléchir. Vous pouvez être des vétérans, des militaires, des chefs, des peu importe ce qu'on vous appelle dictateur, vous devez fléchir devant le nom de Jésus. En pleurant, vous fléchirez devant lui. En riant, vous fléchirez. En criant, vous fléchirez. En attissant, vous devez fléchir. Donc, le monde invisible fléchit. Fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Donc, on est clair, le serment du Seigneur a été appliqué parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Tout genou fléchit. Quand on entend le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, le nom puissant. Ce nom-là a une puissance illimitée, une puissance inexprimable, une puissance extraordinaire, une puissance redoutable, incompréhensible. Et c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. C'est mon roi, c'est mon Dieu. Et je m'efforcerai d'être agréable à lui, avec l'aide qu'il me donnera, parce qu'il le mérite. Il mérite notre gloire. Il mérite que nous l'adorions, que nous le prions, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, les genoux fléchissent. Le verset 11, Philippiens 2. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, les langues doivent confesser que Jésus-Christ est réellement le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ah, lorsqu'il était sur la croix et que les ténèbres ont recouvert la terre, les gens confessaient en disant, oui, certainement, il était le Fils de Dieu. Oui, certainement. Certainement. Donc, ils l'ont confessé. Ils ne voulaient pas le confesser, mais ils l'ont confessé. Au nom de Jésus-Christ, ils l'ont confessé. Donc, c'était une parenthèse. Revenons dans... nous étions en Ésaïe 45, le verset 23. Donc, nous avons lu Ésaïe 45, 23. Donc, maintenant, prenons un autre texte. Nous allons prendre Jérémie 49, toujours jurer, il jure par lui-même. Donc, Jérémie 49, le verset 13. Jérémie 49, 13. Donc, dans Jérémie 49, 13, il est écrit. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation et d'opprobre, de dévastation et de malédiction. Et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Je le jure par moi-même. Donc, il l'a juré par lui-même. Prenons un autre texte encore. Prenons Amos 6, le verset 8. Amos 6, 8, il est écrit. Le Seigneur, l'Éternel,